Salut, chers jeunes frères. Je vous invite à écouter attentivement ce message signé de Moustique le Charismatique. Je suis tombé sur cette vidéo que j'ai trouvée très riche et j'ai décidé de partager avec vous. Écoutez attentivement, je vous prends la fin pour vous donner mon point de vue. Ouais, venez. Écoutez très bien. L'avènement des réseaux sociaux est venu aussi donner un coup de pouce à beaucoup des rives. Parce que vous savez, les réseaux sociaux... nous, on est des artistes. Hein. Et ce qu'on vend, c'est le rêve, c'est le beau. L'art, c'est du beau. Et ne pensez pas que si vous me voyez en costume, avec la cravate, je vais me tenir devant mon véhicule, ça va forcément dire que mon véhicule a le plein. Je peux me tenir en costume, là, je me filme. Et puis, tu vas avoir l'impression que je suis plein d'osas. Nous aussi, on a le foirage. Hein. Nous aussi, on vit des réalités que vous ne pouvez pas imaginer. Nous aussi, on dort parfois sans manger. Ça existe. Nous aussi, on a parfois le gaz est fini, tu arrives à payer. Ça existe. Mais on ne viendra pas vous le dire sur les réseaux sociaux. Parce que. Au-delà de la vie qu'on vous montre là, on a des réalités que nous on vit aussi. Donc ne pensez pas que notre vie est beaucoup mieux que la vôtre. Non, je suis désolé. Même si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux, on n'a pas le même niveau de problème, mais on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Quand je défile Snapchat, je défile Instagram, TikTok, tu vois la posture dans laquelle la plupart des jeunes se tiennent. C'est là que tu comprends qu'il y a un véritable problème. Sachez que le diable existe. Le diable existe. Il est assis tout le temps à côté de nous. Hein. Je prends l'exemple, moi je connais un gars qui lui dort pas. Il ne dort pas dans la nuit. Lui, dès que 15h arrive, il est debout. Il faudrait qu'il sorte de chez lui avant que la nuit ne tombe. Parce que dans la nuit, lorsqu'il est chez lui, il va peut-être somnoler. Et quand il va dormir, il va voir ce qui se passe pour avoir l'argent qu'il mange. 15h, les gars sont dehors. Bindi, resto, chicha, on joue au billard. On est. 20h, on est peut-être au lunch. On bouge. Minuit, on est en boîte de nuit. On dépasse les champagnes, on claque les bouteilles de whisky, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. On voit 2-3 âmes innocentes avec lesquelles on rentre à la maison à 6h-7h. On fait ce qu'il y a à faire, tranquille, on lui donne l'argent. Elle est sûre que non, elle a trouvé le mougou. Elle se répare. Et la même routine recommence. 15h, on est déjà debout, on patrouille. Vous allez les appeler là, porteur. Oh, c'est l'esclavage. C'est le marketing qu'ils sont en train de faire. En boîte de nuit, dès que la bouteille sort, on met les bougies dedans. Waouh. Tu es là, tu es sûr que non. Ce sont des techniques d'hypnose. Et si honnêtement tu veux penser que cette vie-là, c'est la vie que tu devrais en vivre, je suis désolé pour toi parce que c'est vrai qu'autant le diable peut donner, autant Dieu peut donner. Mais quand Dieu donne, la plupart du temps, ça ne fait pas trop de bruit. Les gars, soyez patients. Travaillez. Acceptez de souffrir. Et aucune honte à être un jongleur. Ça ne sert à quoi d'avoir un 10 bas dans ton compte, pourtant tu es sûr que les 10 bas, tu vas pas chop ça avec le yamo. Tu vas avoir 10 bas, les 10 bas là, tu vas finir de chop, après il devient fou. Tu n'auras pas le temps de savourer ton oui. Donc vraiment, gars, moi, il joue comme ça, là, après, ça fait mal. Et il y a un petit qui est venu me voir un jour à la Charisma, il me dit que le gars veut tremper, il veut chanter. Tu veux chanter, oui, fais-moi écouter ta chanson. Quand tu écoutes, c'est approximatif. Bon, pour le booster, il a dit, bon, ouais, gars, c'est pas mal. Il faut essayer de bosser sur ci. Le petit frère n'entendait rien. Lui, il garde tout ce que Babada a entré, il s'est sorti là-bas. Le gars, il est revenu une autre fois, il a eu le courage de me dire, grand frère, je vais tremper. Il regardait le petit là comme ça, il dit, merde. Tu as le courage de me dire que tu veux tremper. On t'a dit que le paquet est trempé. Petit frère, pour avoir le que ce qu'il a dit, moi, je vois quand même sur les rails, pourquoi délire. J'ai fait le casino coup de balai, manger le centre Babada en colonne de à pied avec mon pote Bayano. On voyait là-bas pour faire les. Pour avoir la chance d'avoir le rôle de figurant d'un coup de balai. Aujourd'hui, tu arrives, je ne sais même pas quel parcours tu as fait, tu me dis que tu veux tremper. Tremper pourquoi? Les yeux des gens. Le showbiz est divisé en deux. Le show qui nourrit les fans. Le biz qui nourrit l'artiste. Fais ton show. Oh, tu es le meilleur chanteur. Oh, tu es le meilleur danseur. Oh, tu es le meilleur tout. Ça, c'est le show. Les applaudissements. Le biz, la capacité que tu as à tirer profit du talent que tu as. Donc ça passe par des stratégies. Tu peux être talentueux comme le monde, mon gars. Tu vas mourir affamé si tu n'as pas la stratégie qui va avec. C'est pourquoi c'est important de se faire encadrer, de savoir quelle est la vision qu'on a, de la respecter, de se donner les moyens en travaillant dur, en étant patient et en priant pour atteindre ses objectifs. J'ai très mal quand je vois l'histoire autour du petit. Je souhaite bon rétablissement. Je sais que ça va aller, mais j'invite sa famille à beaucoup plus s'impliquer parce que la plupart du temps, on laisse nos enfants en train de faire le marathon de la vie et puis ça devient compliqué plus tard quand ils se retrouvent face à des situations auxquelles ils ne peuvent pas répondre.
Donc vraiment beaucoup de courage aux petits frères, à ceux qui m'ont écouté. Je peux me tromper, il y a un peu de dire maman. Hein? Moi, dit ma part. On se voit tard au dimanche. Vous comprenez dans la compréhension? Vous avez bien écouté. Vous avez bien compris. Le show et le bis. Le show bis. Vous savez pourquoi je vous présente cette vidéo? Vous savez pourquoi je publie cette vidéo? Par jour, je reçois au moins 5 demandes. Ou bien, ou ces 5 messages, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça. Des demandes d'aide. Franco, j'ai mon projet de ceci, cela, je n'ai pas l'argent. Pardon, envoie-moi 100 000. Pardon, envoie-moi 50 000. Pardon, ma mère est malade à l'hôpital. Pardon, il faut 200 000. Pardon, envoie-moi même 30 même 50. Mon frère, vous savez aussi qu'on a nos réalités. Ah, les gens nous regardent seulement sur Facebook. Voilà mon moustique qui vous fait comprendre que parfois le gaz est fini. Le gaz est de 6 500. On n'a pas l'argent. On ne va jamais venir sur Facebook vous dire que, comme vous voyez là hier, non, c'était chaud sur moi, il n'y avait pas l'argent pour acheter le gaz. Jamais. Donc nous-mêmes là, nous avons nos réalités. Hein. Nous-mêmes, on souffre aussi. Hein. Ce n'est pas parce que nous voyons, on fait des vidéos, on a les vues, vous pensez qu'on est, que c'est nous le président de la République. Tégué. Nous-mêmes, on voit. Nous-mêmes, on jongle. Mais quand on vient devant Facebook, on s'habille, on est propre, on brille, on met les lumières. Voilà, vous êtes sûr que non. Tout est rose. Papa, battez-vous. Battons-nous. Ça ne laisse personne. Voilà la raison pour laquelle je partage cette vidéo. Pour vous faire comprendre que n'enviez personne dans vos vies. Celui que tu envies là même t'envie aussi. Parce que tu as comme l'impression que lui il est à l'aise. Alors qu'il souffre même plus que toi. Vous entendez? Partagez-moi la vidéo. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe Choc. L'équipe Tip. L'équipe du studio Vision Pro. Voilà, vous connaissez déjà où le studio Vision Pro est situé. En face de Talon Rousseau. Donc pour tous ceux-là qui ont leurs événements, l'exemple prochain, mariage, baptême, anniversaire, funérailles, conférences, tout ce que vous voulez avec drone, super caméraman, super photographe, tout ce que vous voulez, contactez tout simplement le studio Vision Pro. Le professionnalisme là, c'est notre affaire. Et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double. Nous sommes ici à la mairie, il y a une des premiers. Et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc nous pouvons les événements, quel qu'en soit le pays même. Même s'il faut prendre l'avion, nous on prend le vol, on part, on couvre l'événement. Nous sommes là pour ça. Hein? Jason, ça va? Ah ouais, ça va. Alors on appelle Thierry. Ah, le caméraman pro, le photographe pro. On est là. Voilà. Contactez-nous simplement. Il y a les contacts que vous voyez en bas de l'écran là. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.